l'association organise des différentes activités, à savoir des salles de formation de mise de niveau de nos instructeurs et maîtres, et aussi l'intention des maîtres des autres disciplines martiales, la formation des chefs d'entreprise et d'autres personnalités en technique autodéfense. Pour rappel, nous avions organisé une cérémonie de démonstration en 2014 au Carrefour des Jeunes de Bamako, à laquelle étaient présents le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamadou Gawsou Diarra, et d'autres autres personnalités, dont la couverture médiatique fut assurée par l'ORTM et d'autres médias privés. En 2016, des activités similaires ont été organisées, notamment au Centre culturel de Savalegou, pour ne citer que ceci. Mesdames et messieurs, notre discipline martiale a pour but d'éduquer les jeunes mentalement et physiquement pour être capables aux besoins de se défendre, de porter assistance à son prochain et d'attaquer avec rapidité et efficacité. Aussi, sachez que le self-défense permet de cultiver le sens d'honneur chez les jeunes et les forger à être des artisans de la paix, de cohésion sociale, sans distinction des races, des religions et des genres. Chers maîtres, les différentes techniques que vous venez d'acquérir viennent à faire de chacun de vous les meilleurs pratiquants possibles. Votre formation est loin d'être achevée, car le dit-on, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, enrichissez-vous chaque jour à vos compétences individuelles et collectives pour le mieux vivre partout où vous vous trouvez. N'oubliez pas non plus que chacun de vous représente l'image de l'ensemble de l'AF Escada dans vos salles d'entraînement, vos quartiers, vos villages, etc. Le développement du self-défense au Mali dépendra de l'action de chacun de vous. Donc, agissons toujours dans ce sens, car l'inertie de l'un ralentit l'ensemble de l'indigénité de l'autre, ternir l'image de tous. Chers pratiquants, notre association vient de franchir un nouveau cap. Avec son affiliation à la Fédération malienne de Krav Maga, MAA et disciplines associées, nous nous en réjouissons et nous souhaitons bon vent et plein de succès à notre fédération. Vive le Mali, vive la Fédération malienne de Krav Maga et disciplines associées, vive la ZEM AM Escada. Je vous remercie. Vous êtes impliqués dans ce parcours de renforcement et d'autonomie. La self-défense est bien plus qu'une série de mouvements physiques. Elle incarne la force intérieure, la confiance et une aptitude à se protéger dans des situations potentiellement dangereuses. En tant que marraine, je suis fière de voir un engagement et une détermination à vous protéger et à aider les autres à admirable. C'était à vous une sérieuse travail acharné et celui de tous ceux qui ont rendu cela possible. Instituteurs dévoués, les membres de cette équipe, la Fédération de Karatéka, ainsi que leurs partenaires impliqués. Continuez à cultiver cette mentalité forte pour contribuer à une communauté sûre. Félicitations à vous tous. Cette participation, c'est une réussite. Je le pense bien. Merci pour votre aimable attention.